Appuyez sur touche A pour... Ça te dirait d'aller promener, Guapo? Danny, j'ai de grands projets pour toi. Mais d'abord, il faut que tu me ramènes quelque chose. Je sais, tu vas me dire... Mais c'est quoi, Juan? Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il ne faut ni le manger, ni lui parler, ni le mettre dans ton froc. Je sais, tu vas ajouter... Mais il est où, ce truc, Juan? Pas jusqu'à la tour radio... Et suis la piste en direction du nord. T'arriveras à un camp abandonné du côté est de l'île. Je vais te l'indiquer sur la carte. Tu retrouveras mon contact là-bas. Elle te mettra au jus. Et Danny, si tu réussis ton coup, je te donnerai quelque chose pour m'avoir tiré du fond du trou. Un vieil ami m'a donné ça pour lui avoir sauvé la vie. Mais c'est pas que tu m'as sauvé la vie, mais c'est... Ah, allez, fous le camp, je veux plus te voir. Aussi facile que de fumer un cigare le dimanche. Salut, camarade. Hey, ¿qué tal? Ce croco a l'air méchant. Hey, ça va? Ramener un croco, c'est quand même gonflé. Quoi? T'as intérêt à y faire attention, hein? Soy yo! Hey! Baby!
empêche les habitants de se déplacer dans Yara. Leur foutu air, c'est dans les pneus des bagnoles. Enfin, sauf si t'es à cheval. Je sais. J'ai eu ma dose à Esperanza. Sécurise les postes de contrôle, détruis les panneaux officiels et regarde Libertad renaître de ses cendres. Sur la route, ça vient vers toi. Allez, va là-bas. Vas-y. Allez, gros porc. Avance. J'ai besoin de recharger. Ok. Là, anda. Juan, j'ai trouvé la tour. Continue comme ça, Danny. Trouve le chemin des camarades et suis-le jusqu'à mon contact.
Bien reçu. Je me mets en route. Oh, viens là. Au bon endroit, Dani. Je m'appelle Raissa et je vais t'aider à détrousser Castillo aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on lui pique au juste ? De l'uranium appauvri. Pardon, j'ai cru entendre uranium. C'est bien ce que j'ai dit. Écoute, j'ai grillé mon dernier contact dans l'armée qui le traquait pour Juan. T'es une ancienne militaire ? Comme tout le monde, non ? Ok. Montre-moi où il est. Commence par prendre ce parachute. Fais-moi confiance, ça peut te sauver la vie. Ensuite, je te conduirai au vieux fort espagnol. Il est verrouillé de l'intérieur. Appelé ou volontaire ? Appelé. Ils ont tiré mon numéro, alors j'y suis allée. Et toi ? Volontaire. Je voulais devenir soldat. Porter l'uniforme, servir mon pays, tu vois. Et puis, j'ai compris que pour Castillo, le soldat idéal, c'est un fasciste aveugle qui suit ses ordres à la lettre. Donc maintenant, t'es une traître. Ouais, et je suis pas la seule. Le garde posté à la tour de guet va nous laisser l'utiliser pour examiner le fort. Il peut aussi nous donner des infos utiles. Et qu'est-ce qu'il y gagne ? Primo, ça lui évite de se faire plomber le cul. Alors range ton flingue ou il ouvrira le feu. Deuxio, il nous donne des... C'est quoi le problème ? Bouge tes fesses ! Ok, t'éloigne pas. Primo, ça lui évite de se faire plomber le cul. Alors range ton flingue ou il ouvrira le feu. Deuxio, il nous donne des infos sur l'armée en échange d'un petit pot de vin. Ok, je range mon arme... Et je sors mes pesos. Le voilà. J'espère que t'as des pesos sur toi. T'as trouvé quoi ? Bon, jette un coup d'œil. Tu trouveras des armes par là-bas. Eh, merci. Pas de quoi. Je sais pas ce que vous préparez, Raissa et toi, mais j'espère que je serai déjà loin. Tout le monde a un prix. Tous les soldats sont pas des fanatiques. Certains essaient juste de nourrir leur famille. Mais n'oublie pas de ranger tes flingues avant d'approcher. Si
utilise ton téléphone pour observer les ennemis et repérer leurs points faibles. Je parie que Juan t'a déjà fait son baratin en mode « le bon outil pour le bon boulot ». Voilà l'officier qui commande. C'est Alvarez qui a la clé de l'armurerie. Fais attention, il est haut placé. Dans l'armée de Castillo, ça veut dire qu'il est aussi mieux entraîné, meilleur au tir. Ce salaud est coriace. C'est le fort le mieux gardé de l'île. Ses soldats sont équipés de casques et gilets pare-balles. Mais ils devraient pas résister longtemps à tes balles perforantes. Utilise l'établi si t'as besoin d'en fabriquer. Et va récupérer cet uranium, Danny. Le parachute que je t'ai filé devrait être utile. Évite juste d'atterrir au milieu du fort, d'accord ? J'ai intérêt à me méfier. Uranium. J'ai ta saloperie d'uranium, Juan. Alors ramène tes fesses ici. Je te préviens la prochaine fois. Juan ? Juan ! Thank you.
va là-bas. Ouais, et je voudrais toujours savoir ce qu'il compte en faire. Connaissant Juan, tu peux t'attendre à une grosse surprise qui tâche. Rendez-vous au camp. Juan, le poste de contrôle est dégagé. Ça t'a fait du bien, pas vrai? T'as pas mal soigné ton karma aujourd'hui. Continue comme ça. Yeah. Vas-y.
Salut, Juan. C'est l'heure du bricolage, Danny. Uranium appauvri. Formidable vestige de l'enrichissement nucléaire des Ruskov dans les années 80. Les Yankees s'en servent pour les chars et les balles. Quelle bande de tarés. Ça a l'air risqué. Tu vas être une putain de super-héroïne, Danny. Lita et moi, on arrivait à en rapporter à l'orphelinat. Une lecture fondamentale quand on attend dans la boue de faire sauter un convoi. Un bon soldat doit pouvoir trouver l'inspiration n'importe où. Ok, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, c'est un Supremo. On dirait un lance-roquette. Si, ça fait ça aussi. Autre chose, laisse-moi te présenter Tostador. On peut dire que ces deux engins forment un duo d'enfer. J'aime bien voir tes bricolages, Juan. Tu m'étonnes. Guapo! Vive libertad! Un Supremo, c'est comme un bon coup. Ou un bon sandwich. C'est ton estomac qui parle là? En partie. Ce qui compte, c'est d'avoir plusieurs atouts. Va à l'établi, je vais te montrer. Les Supremos, c'est pas simplement... Jetons un coup d'œil à ce Supremo. L'ingrédient spécial qui fait que la magie opère... Choisis un gadget, Danny. T'es en sécurité, ici. Y a pas de mauvaise réponse. Parfait. Maintenant, va parler à Clara. L'heure est venue de tester ce Supremo. Maintenant, on va parler à Clara. Il est largement temps d'essayer ce Supremo. Oh, j'ai rien à te dire. Ce crocodile se bat pour toi? Il faut qu'on parle.